Bonjour chers amis étudiants de la Bible. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite de notre étude de l'épître de Jacques. Et aujourd'hui, notre sujet sera la place de la foi et les œuvres dans la vie chrétienne. La Bible nous dit « Le juste vivra par sa foi ». C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Mais Jacques aussi, il nous dit « À quoi servirait-il que quelqu'un dise avoir la foi s'il n'a pas d'œuvre ? La foi pourrait-elle le sauver ?» Alors, comment concilier ces deux notions, la foi et les œuvres ? Laquelle est l'expression de l'autre ? Et pouvons-nous les dissocier ? C'est le débat qui va nous occuper pendant les minutes qui vont suivre. Et aujourd'hui, comme d'habitude, je reçois deux pasteurs adventistes. Avec moi, c'est Émile Lazare, bonjour. Bonjour. Et Ralph Sitcher. Bonjour. Alors, je compte sur vous pour des nouveaux éléments dans ce débat. Et tout de suite, je vous invite, on va invoquer notre Seigneur par la prière de Ralph. Prions. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce moment, cette occasion que tu nous donnes, ce temps de réflexion avec nos internautes, que tu puisses nous bénir et puis orienter notre faculté pour que nous puissions débattre autour de ce sujet si important au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, la foi et les œuvres. C'est vrai que ces deux notions qui sont récurrents à notre langage chrétien, mais pour pouvoir parler en connaissance de cause, donc je vais vous inviter à nous donner une définition biblique de ce que c'est la foi, de ce que c'est les œuvres, et bien évidemment une définition voilà, en quelques mots et simple, peut-être avec quelques exemples. Quand la Bible parle de la foi, surtout Jacques parle trois fois. Il peut y avoir plusieurs fois, facettes de la foi. La foi croyance, la foi adhésion, la foi avec l'espérance et la foi action. Donc nous ne devons pas les dissocier. Mais savoir faire une cohésion entre ce que Jacques nous parle de, quand Jacques nous parle de la foi. C'était un problème, je crois, dans l'Église chrétienne au 1er siècle. Un problème qui a été généré par deux compréhensions différentes du mot foi. En grec, c'est pistis. Et pistis, dans la rhétorique grecque, ça veut dire une conviction que quelqu'un se fait à partir des arguments logiques, à partir d'un discours logique qu'il a écouté. Dans ce sens, le mot pistis, le mot foi, c'est une sorte de conviction intellectuelle. Ça veut dire je suis convaincu de la vérité que quelqu'un me présente, mais ça ne m'engage pas. Ça peut être juste une sorte de joie intellectuelle, philosophique, que je ressens. Et je peux dire, voilà, j'ai été convaincu, donc j'ai le pistis. Mais dans le sens biblique, le pistis, c'est plutôt la confiance que nous avons dans une personne. Et à partir de cette confiance, j'agis. Je fais les choses. Parce que j'ai la confiance en Dieu. À partir de cette confiance que je développe, de la relation que je développe avec Dieu, mes œuvres, mes actions changent. Donc, chez les Grecs, tu pouvais avoir le pistis, tu peux avoir la conviction de la vérité, mais tu pouvais agir autrement. Vous prenez par exemple, au temps du 1er siècle, vous connaissez peut-être un philosophe comme Sénèque, qui disait des choses extraordinaires, il avait une éthique extraordinaire. Mais quand vous étudiez un peu les actions, vous voyez que c'était une grande différence entre ce qu'il disait et ce qu'il faisait. Et ça, c'était le même problème chez tous les philosophes, les grands philosophes du 1er siècle. C'était une
très grande différence entre les convictions qu'il avait et les actions qu'il faisait. Et chez les chrétiens alors ? Chez les chrétiens, on voit cette situation. Parce qu'on avait dans l'église chrétienne déjà au 1er siècle beaucoup de Grecs qui ont compris la vérité chrétienne comme une sorte de philosophie. Ils étaient convaincus par les arguments logiques. Et on était attirés par toute cette logique que l'apôtre Paul a développée, ou les autres apôtres l'ont développée. Ils ont été convaincus. Mais dans les actions, c'était une grande discrépance, une grande différence entre ce qu'il disait et ce qu'il faisait. Ici, Jacques écrit en somme aux judéo-chrétiens. Plusieurs fois, il va employer le terme « mes frères ». Donc, il y avait aussi chez les judéo-chrétiens cette tendance de dire « puisqu'il y a l'amour, donc les œuvres ne comptent pas trop maintenant ». Et Jacques va redresser en somme ce déséquilibre en montrant que c'est indissociable, les œuvres et la foi. Nous ne pouvons pas, on ne peut pas dire soit l'un, soit l'autre, c'est l'un et l'autre, il développe. En somme, c'est la suite logique du chapitre 2, de ce qu'il a dit avant, dans la leçon de la semaine dernière. Ici, c'est le développement justement de de sa position. Jacques ne met pas, en somme, en contradiction les œuvres et la loi. Jacques démontre clairement que sans œuvres, il n'y a pas de foi véritable. Alors, disons-le de suite, est-ce que nous pouvons accéder au salut exclusivement par l'une ou par l'autre ? Ni l'un ni l'autre. Donc les deux vont de pair. Maintenant, il faut pour comprendre Jacques, et puis nous sommes obligés de voir ce que dit Paul, et bien souvent, comme dans l'introduction, on parle de contradiction entre Paul et Jacques, il n'y a pas du tout contradiction, dans ce sens que Jacques, ici, quand Paul parle de la justification par la foi, aux yeux de Dieu, ce que l'homme doit faire pour être justifié aux yeux de Dieu. Et Jacques n'est pas du tout dans cette phase-là, dans l'angle. Jacques du fait que nous avons été justifiés par Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu, maintenant il y a un comportement logique à avoir face à ce salut qu'on a reçu. Jacques n'est pas dans le salut, recevoir le salut, mais le comportement d'un enfant de Dieu. Un témoignage. La préoccupation de Jacques, c'est l'intégrité. Exact. C'est l'intégrité de la personne humaine. Tu ne peux pas être fait seulement des actions que tu te développes. Tu es fait aussi par des convictions que tu as. Mais il faut avoir toujours une grande liaison entre les convictions et les actions. Si j'ai ces convictions, j'agis comme ça. Le problème est que on observait chez les Grecs une grande différence entre les convictions et les actions. Ils pouvaient discourir sur un sujet d'une manière exemplaire, et après, quelques heures plus tard, ils se comportaient comme le discours qu'ils ont fait n'avait rien à faire. C'était une sorte d'extase oratorique, c'est tout. Et de l'autre côté, c'était les Juifs qui ont développé une sorte du salut où ils faisaient des choses sans avoir des convictions. Donc il faisait ça parce qu'il fallait le faire. Parce que sinon, il pouvait être exclu de l'alliance avec Dieu, mais les convictions intérieures étaient différentes. Il pouvait garder dans l'intérieur tout un sémitier. Par exemple, Jésus dit à un moment donné, écoutez, la loi dit, tu ne commettras jamais l'adultère. Donc, en fait, dans l'action, les pharisiens ne commettaient pas l'adultère. Mais ils pouvaient penser à ça.
Ils ont créé une sorte de licence, des privilèges, de penser mal dans leur tête, mais d'agir d'une manière correcte. Et Jésus dit non, c'est une sorte de schizophrénie, de penser une chose et de faire une autre chose. C'était deux types de schizophrénie, mais inversés. D'un côté, c'était les juifs, avec leur schizophrénie inversée, ils faisaient le bien, mais ils pensaient le mal. De l'autre côté, c'était les Grecs, ils pensaient le bien, ils développaient le bien, mais ils faisaient le mal. De cet exemple, peut-être nous pouvons nous inspirer pour définir la foi morte, parce que la Bible le mentionne, et peut-être imaginer ce que pourrait être œuvre morte aussi, même si ça n'existe pas dans le texte biblique. Oui. Mais la foi n'est pas accompagnée par des œuvres, ou si les œuvres ne sont pas provoquées par une conviction et l'amour que nous avons. C'est l'application, en somme, de la foi, le vécu de la foi. Donc, pour un juif, il y avait l'obéissance à la loi morale et l'obéissance, en somme, à la loi rituelle. Du moment qu'on a vraiment, on fait attention de ne pas pécher sur ces deux côtés, c'était suffisant. Mais Jacques montre ici la pratique. Par exemple, il va dire, vous dites que vous avez la foi, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture. Là, c'est de l'application de le vécu de cette foi, une cohérence, une éthique, une logique, la logique de la foi vécue. Pas des mots seulement sur la foi conviction, la foi attente, mais la foi qui œuvre. Rappelons-nous le comportement de Jésus-Christ. Avait-il la foi? Avait-il les œuvres? Est-ce qu'il faisait une distinction entre les deux? Donc je pense que nous, on peut s'inspirer et faire de même. Jésus, c'était l'homme normal. C'était l'homme qui faisait les choses qu'il les pensait. Donc, il avait des convictions et il faisait dans ses actions, il mettait en place les convictions qu'il avait. Et ça c'est la santé mentale. Quand quelqu'un pense une chose et il agit ce qu'il a pensé. Bon, qu'il pense bien. Mais le problème est que dans un extrême comme dans l'autre, donc il y a ce problème de penser une chose et d'agir d'une manière différente, et ça crée un déséquilibre mental. Si tu penses bien et tu agis mal, à un moment donné, tu vas penser mal. Si tu penses mal et tu agis bien, à un moment donné, tu vas agir mal. Donc, tu ne peux pas vivre dans cette tension. On croit, on essaie parfois de se trouver, de vivre dans cette forme d'hypocrisie, de schizophrénie, mais pas, on peut pas aller jusqu'à la fin de notre vie comme ça. À un moment donné, il y a une rupture, il y a quelque chose qui se passe et qui fait que notre vie bascule dans une sorte d'irrationalité. C'est pour ça qu'il faut être intègre. C'est pour ça qu'il faut bien penser et bien agir. Si on a tous les deux ensemble, si on les met ensemble, on est une personne intègre. On n'est pas deux personnalités, deux personnes différentes. On n'est pas déséquilibré psychologiquement. Justement, Paul ici, Jacques, pardon, attaque cette double personnalité entre le dire et le faire, l'avoir et l'être. Hein. Donc, il montre dans le texte ici, il va citer Abraham, comme Paul va citer Abraham, mais pas dans cette même perspective. Et au verset 22, ça spécifie très bien l'idée de Jacques. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. La seule manière de rendre parfaite, en somme, la foi, c'est à travers les œuvres.
Sinon, on sépare des paroles. Et Jacques va aussi citer plus loin en disant que Satan croit, mais il tremble. Mm-hmm. Donc, ce qui explique, justement, on précise l'idée d'Émile entre ce que nous disons et ce que nous faisons. C'est vrai que dans le texte, c'est Abraham qui est cité. Mais nous pouvons aller quelques pages avant dans la Bible, dans Hébreux chapitre 11. Et effectivement, là, sans tout lire, quand on voit, il y a plusieurs héros de la foi qui sont cités. Par exemple, Abel, par la foi, ouais. Mais il y a une action qui suit. Exact. Offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Après, pareil, on peut aller voir Noé. C'est que par la foi, donc il y a toujours la foi, mais il y a l'expression de la foi qui va être construit une arche pour sauver sa famille. Donc après, il y a Abraham avec les patriarches, effectivement, et toujours la foi avec une manifestation, une action. Parce que ça, c'est une chose qui existe dans la pensée hébraïque. Le même mot, dabar, ça signifie chose et mot. Parce que dans la conception d'un juif, s'il dit quelque chose, il doit agir. Donc tu ne peux pas être seulement dans le discours. Si tu tiens un discours, tu dois immédiatement agir après ton discours. Donc si tu as la foi, c'est normal que la foi n'est pas une démarche, c'est pas une démarche intellectuelle. C'est plus que ça. Il faut que tu passes à l'action. Donc je comprends bien que la foi, elle est génératrice d'œuvres. On peut dire. Oui, et c'est ce type de pensée que Jacques, il essaye comme ça d'expliquer et de mettre en évidence ici. Alors tout à l'heure, effectivement, nous avons parlé de. C'est au verset 19. Les démons croient aussi et ils tremblent. Alors c'est assez surprenant. C'est vrai que dans les évangiles, par exemple l'évangile de Marc, chapitre 3, chapitre 5 aussi, il y a les scènes où Jésus est confronté à des personnes qui sont qui ont des problèmes avec ce genre de manifestation, et les démons se prosternent et les démons reconnaissent le Fils de Dieu. Et là, le texte nous dit que les démons croient aussi et ils tremblent. Alors, aurait-il une foi des démons? Et si oui, en quoi elle est différente de la foi chrétienne? Ici, Jacques utilise la métaphore pour entre la foi des démons pour montrer justement l'incohérence de ne pas de dire et puis de ne pas agir ou faire le contraire. Et que, bibliquement, le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est la mort. Ne pas aimer, c'est tuer. Ne pas aimer, c'est en somme éviter que l'autre existe. Justement, nous sommes dans la loi de l'amour que Jacques prône ici. Votre croyance doit être ipso facto une démonstration de l'amour et pour Dieu et pour le prochain. C'est un sort de reconnaissance de la part des démons que Dieu est bon, que Dieu est puissant. C'est reconnaître un fait. Et les démons, ils sont conscients que les choses sont comme ça. Ils reconnaissent la vérité. Ils disent de Jésus qu'il était Messie. Mm-hmm. Mais dans les actions, c'était tout contraire à ce qu'ils reconnaissaient. C'est comme aujourd'hui, on parle de l'héritage chrétien, des valeurs chrétiennes, de toutes sortes de choses comme ça, d'avoir un bon discours. Et après, à la fin du discours, de faire exactement contraire aux valeurs chrétiennes qu'on a affirmées, qu'on a dit comme ça. Et ça, c'est un problème pour le christianisme aujourd'hui.
Parce qu'on trouve aujourd'hui dans le monde beaucoup de chrétiens qui reconnaissent la valeur du christianisme, mais qui ne vivent après le christianisme qu'ils le reconnaissent comme une religion correcte, véritable, comme ça. Donc on peut avoir une croyance, mais ne pas adhérer à cette croyance. Ici, c'est la foi en action, la foi agissante. Donc, si maintenant, moi, je dis que je joue très bien, je connais très bien la musique, j'aime mon piano, et puis je me mets devant mon piano incapable de vous sortir une mélodie. Ce que Jacques ici démontre en disant que votre théorie sur Dieu, ainsi de suite, mais le vécu, quand il est question de l'acte, où en êtes-vous? On peut trouver par exemple des chrétiens qui parlent de l'amour. Et dans leur discours, ils parlent de l'amour véritable, de l'amour parfait. Mais dans leur action, dans leur parole, on voit une agressivité très, très, très puissante. Et on trouve des gens comme ça dans les églises qui sont capables de tenir un bon discours de l'amour, mais de se comporter avec une agressivité qui crée des problèmes, des problèmes pour l'autre. Et ça peut être, ça c'est aussi un sort de, bon, on peut dire un sort de croyance démonique. Jacques ici pousse ses lecteurs à la logique de la foi en disant, il faut démontrer maintenant. Il y a une démonstration de la preuve de votre foi. Mais dans votre comportement, qu'on a vu plus haut dans la semaine, la leçon de la semaine dernière, ça prouvait le contraire de ce qu'il disait concernant la foi. En somme, l'amour sans preuve d'amour n'existe pas. Ce sont des paroles seulement. Alors pour compléter cette étude et aller vers une conclusion, nous devons mentionner les autres aspects de la foi. La réponse de Dieu à notre foi, donc c'est le pardon, c'est sa miséricorde. Et nous pouvons voir par exemple l'exemple de Rahab qui a eu une foi authentique avec la lumière qu'elle avait en ce moment, et elle a été sauvée malgré son mensonge, et cette foi l'a amenée au pardon de Dieu. Et par la suite, d'un côté, donc Rahab avec son action, et de l'autre côté, en répondant à cet amour de Dieu, Rahab, elle va vers une obéissance, et elle a les actes qui vont suivre, qui vont correspondre à la foi qu'elle a. Donc, est-ce que nous pouvons faire un lien entre l'amour de Dieu, le pardon, notre foi, notre obéissance? Deux extrêmes, Abraham et Rahab pour ses frères juifs. En somme, deux actions magnifiques, de preuve d'amour face à Dieu et preuve d'amour face à l'humain. On parle du mensonge de Rahab. Ici, c'est choquant. On ne peut pas dire qu'il y a de bons et de mauvais mensonges. Mais quand la vie de l'individu est en danger, est-ce que face à cela, je dis « je ne veux pas mentir » Oui, quand des personnes voulant, en somme, des terroristes voulant la vie de quelqu'un, je dis « moi, je ne veux pas mentir, vous entrez et je vais être clair avec ma conscience ». C'est un débat ici que nous devons… ce n'est pas le lieu, est-ce que ma conscience dit « je ne veux pas mentir, mais je vais livrer ces pauvres personnes cachées dans ma cave ou… je livre leur vie comme ça. Donc, ici n'est pas le lieu. Mettons plutôt l'accent sur son obéissance, la foi, la conviction qu'elle a. Quand on voit la foi
sous l'angle de la confiance. On utilise le mot confiance pour la foi. Est-ce que vous pouvez me dire, si on a confiance en quelqu'un, ce n'est pas l'amour, ça ? Exact. Parce que quand on utilise le mot confiance, j'ai la confiance dans les personnes qui m'aiment et que je les aime. Donc la confiance ne peut pas exister entre des personnes qui ne se respectent pas, qui ne s'aiment pas. Donc, dans ce cas-là, la foi contient en elle-même, si on voit la foi par l'angle de la confiance, contient dans elle-même l'amour. Et quand tu as cette confiance en quelqu'un, tu agis sans tenir compte des dangers. Parce que Rahab, ici, elle était dans un danger. Elle était devant le roi de sa cité. Elle voyait le peuple Israël qui était autour de Jéricho. C'était un peuple qui n'avait pas des machines de guerre. Apparemment, c'était un peuple qui essayait comme ça de conquérir une citadelle qui était imprenable. Mais elle a choisi quand même d'avoir cette confiance dangereuse dans ce Dieu d'Israël. On ne peut pas parler ici d'un amour infini ou des choses comme ça, mais le simple fait qu'elle a eu la confiance dans le Dieu d'Israël, ça veut dire qu'elle avait, bon, on peut parler de respect, de l'amour qui était englobé dans la confiance. Qui l'a amené de prendre des risques, des risques énormes, des choses comme ça. Et c'est ça, c'est à partir de ça que Dieu reconnaît, et Dieu a reconnu dans ses actions, dans tout ce qu'elle a fait, il a reconnu qu'elle avait la foi en lui. Et bon, dans ce cas, le pardon, il est intervenu, il y a toutes les conséquences qui viennent de ça. C'est quand même formidable, ouais, qu'on trouve son nom dans le chapitre 11 de... Mais on trouve son nom aussi, chapitre 1er du Matthieu. Parmi dans la généalogie de Jésus. Donc, elle devient comme ça une grande héroïne de la Bible. Tout à fait. Donc, par la foi et à partir de cette confiance qu'elle développe. On ne sait pas comment elle a trouvé cette confiance en Dieu. Bon, on peut supposer qu'elle a vu, elle a analysé les choses. Le même mot grec, le même mot hébreu, pour prostituée et maître d'hôtel. Oui. Et d'après les commentateurs, on dit qu'elle était prostituée, mais il y a un point d'interrogation. Est-ce qu'elle n'était pas gérante d'hôtel et elle porte cette accusation d'être prostituée? Mais là, pour répondre à la question d'Émile, en tant que responsable d'hôtel en ce temps-là, où aujourd'hui chacun se ferme dans sa chambre, mais en ce temps-là, on était autour du feu, on parlait, et il y avait des débats, et peut-être elle suivait aussi ces débats. Elle arrivait à comprendre ce Dieu d'Israël et tout ce qu'on disait. Et c'est comme ça qu'elle a pu vraiment acquérir de connaissances de ce Dieu d'Israël, et puis elle s'est penchée pour ce Dieu. Une chose est sûre, que par la foi, quel que soit notre péché, donc les péchés sont pardonnés et nous accédons au salut par la grâce quand nous manifestons une foi solide en notre Dieu. Alors, je vous remercie pour votre participation et à vous, chers internautes, je vous invite à continuer l'étude et à nous suivre. Et la semaine prochaine, n'oubliez pas, nous serons au rendez-vous. Au revoir.